Hello? Where are you? You're what? Missing it. Get down here right now. Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. Bonjour les petits lapins, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Oh, il n'y a plus de son. Oh, il y a le son. Bon, oh, tant pis, il n'y avait pas de, il y avait plus de musique. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer sur un des différents métiers du serveur cana-rp.fr. Donc, je suis déjà à la mairie, enfin au Pôle emploi plutôt. C'est déjà parfait. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter le métier du mineur. Donc là, félicitations, vous avez été embauché en tant que mineur. Alors, on va sortir de la mairie, tatac. Alors, pour le métier du mineur, c'est le métier qui est représenté par du gris. Donc, la mine se trouve ici. Ensuite, ici se trouve notre point d'embauche, ensuite notre camion, ensuite la fonte de la pierre se trouve ici et le point de vente se trouve ici. Donc en fait on a un parcours assez sympa. Donc là nous sommes ici au Pôle emploi, nous devons donc monter ici pour récupérer notre véhicule, ensuite aller à la mine, ensuite redescendre et ensuite continuer à descendre pour le point de vente. Donc c'est parti. Hop. Donc comme toujours, le lien du forum du serveur Cana est dans la description de la vidéo. Le nom du serveur, que je répète, c'est donc cana-rp.fr. Serveur qui appartient à monsieur patate comme toujours, sa chaîne Twitch est dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller le suivre. Et nous on est parti pour monter là-haut et comme d'habitude je vais vous accélérer le passage. Alors je vais quand même faire mon petit point. Hop. Et nous on se retrouve à notre point d'embauche et je vous dis à tout de suite et bonne route. Donc me revoilà, j'ai eu un petit souci de micro. Donc, comme je disais, en fait, hors micro activé. Donc le portail là-bas, il faut le pousser, il ne s'ouvre pas. Vous poussez tranquillement, ou poussez comme vous voulez. Donc là, on se met en service, début du service. Et là, on n'a pas de petite phrase de... Voilà, on n'a rien du tout. Ensuite, on va aller récupérer notre camion. Donc là, si vous vous mettez pas en service, vous n'aurez pas le petit point là. Hop. Là, on récupère un camion. Là, maintenant, on va aller jusqu'à la mine pour récolter la pierre. Un GPS, il faut que je m'arrête la supérette. Le plein. C'est plus dégommé mais tant pis. Allez, c'est parti.
Alors, on va acheter. Allez. Et là, on se retrouve à la mine. Voilà, donc là on arrive à la mine. La barrière s'ouvre automatiquement dès que vous vous approchez. Ensuite il faut faire le tour comme l'indique le GPS, mais bon, vous pouvez couper à travers à un moment donné. Après ça. Hop. Après vous mettez en marche avant, en marche arrière, vous faites tout comme bon vous semble. Là comme toujours vous descendez de votre véhicule. Elle compte en cours de pierre. Alors, en fonction de votre inventaire. Là je vais récolter 25. On verra bien. Ça va nous donner pardon à la revente. Jusqu'à maintenant, le nombre de fois que je l'ai fait, je n'ai jamais rencontré d'autres mineurs encore, une autre vignoble. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Je sais pas. Je sais pas. On sent seul des fois. Donc, comme toujours, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je suis là pour ça. Alors, tous les tutos que je fais là pour chaque métier, ce sont des métiers par rapport au serveur Kana. Et après, les autres serveurs, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Mais je répète, tous les tutos que je fais là, c'est pour le serveur Kana-RP.fr. Je tiens à le préciser au cas où. Hop, on en est où? Alors ensuite on va préparer notre GPS. Donc là on va aller à la fonte. Donc là en fait la fonte, ben, on va fondre la pierre. Ouais. Ça va nous donner des minerais de fer. Ensuite avec ces minerais de fer, on va les vendre à cet emplacement là. Ça va relativement vite, hein, comme c'est de l'autoroute en plus. C'est un trajet qui va assez vite. Inventaire plein, allez, c'est reparti. Surtout, faites toujours attention à votre. Comme j'ai déjà expliqué en haut à droite, la part des pizzas et la chope de bière, qui représente votre faim et votre soif. Pas très français, mais. Allez, c'est reparti. J'ai une bonne route, il y a tout à l'heure.
Voilà, donc là on arrive à l'usine pour fondre la pierre. Donc après vous garez là où vous voulez. On va essayer d'être écologique, on va dire. Là à l'entrée, par la petite porte qui est là. Là comme ça. Vous entrez, vous passez par le bureau, par le poste, et là, traitement en cours. Là, ça vous fond la pierre, qui vous donne des minerais de pierre, minerais de fer, pardon. Donc là, après, qu'on est à l'intérieur, on peut pas le faire. Si vous avez bien regardé la vidéo de mon parcours, pendant un moment, je fais un grand demi-tour sur l'autoroute. C'est le GPS qui fait ça. Donc, à mon avis, il vaut mieux prendre une autre sortie avant et passer sous le pont et arriver. Correctement en fait, et je pense que des fois le GPS il fait un petit peu n'importe quoi. Hop, donc là vous êtes dans une grande usine. Je sais pas si je peux vraiment me balader un peu partout pour vous faire voir un peu. Maintenant. Voilà. Pas tout. Là, c'est une scène qu'il y a dans la partie solo. Si vous avez fait le mode histoire en entier, un sacré carnage d'ailleurs. Hop, on va pas tarder à se terminer. Là, vous voyez que pierre se transforme en minerai de fer. Dommage que je puisse pas vous faire voir, non. Je vais vous faire voir. Je ne peux pas le faire. Au revoir. Oh. 24 minerais de fer. Allez. Là, on va aller revendre tout ça. Ça, c'est un travail assez sympa à réaliser. Y'a rien de compliqué, la route est simple. Hop. Comme je vous ai expliqué, là, en fait, à ce niveau-là, le GPS, on arrive comme ça. Et le GPS, il vous fait un demi-tour ici. Donc, à mon avis, il vaut mieux sortir là. Et passer en dessous. Et arriver comme ceci. Faites bien attention au cas où que. Il y a une patrouille et vous faites ça, voilà, la patrouille elle va pas chercher à comprendre. C'est tout à fait normal. Allez. On va donc maintenant aller au point de vente. Là, le jour se lève. Allez, c'est parti. Ah. Donc là, on arrive au point de vente. Là, vous voyez que c'est un grand port. Je crois qu'on peut faire pas mal de choses ici, bien sympa. Alors là, ici, faut pas louper l'entrée, il faut pas continuer à aller tout droit, il faut tourner là en fait. Et ici, en fait, là, il y a une clôture tout le long après. Pour entrer par ici, et aller sur le bord du quai. Comme ceci. Toujours, il faut descendre du camion. Donc chaque unité ça vaut 40 dollars comme le cube 8 20, c'est au même prix à 40 dollars. Bon, après voilà, le parcours il est quand même assez simple, il n'y a pas grand chose à faire. C'est le plus ouais, c'est le point de départ qu'il faut aller chercher le camion, et ensuite une fois que vous avez votre camion, vous avez juste à faire des allers-retours ici
et assez rapidement pour le tour. Ça se fait bien. Et je crois que le salaire, si je me trompe pas, ça doit être 75 dollars, je crois. Et je pense que tous les métiers, ça doit être au même niveau de salaire, je pense. Il ne doit pas y avoir de différence. Donc voilà pour le job mineur. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires positifs ou négatifs. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'attends la fin et ensuite je ramène le camion et je vais aller me reposer. Sur ce, travaillez bien et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.